La Direction générale de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE, a organisé le 15 mars à Brazzaville, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, une journée de sensibilisation des jeunes filles demandeurs d'emploi pour leur donner assez de chances de décrocher une situation professionnelle. Pour cette journée spéciale, nous allons sensibiliser nos jeunes filles aux valeurs d'éthique professionnelle, afin d'augmenter les chances d'insertion socio-professionnelle, car le but de l'ACPE est avant tout d'inonder le marché du travail des demandeurs qualifiés. La directrice de l'administration des finances et des ressources humaines de l'ACPE a profité de l'occasion pour présenter les missions de leur agence. L'ACPE joue le rôle d'intermédiaire entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, afin de rendre plus accessible l'employabilité des jeunes. L'ACPE a pour mission non seulement d'accueillir, d'informer, d'enregistrer, de prospecter, mais aussi d'accompagner et d'orienter les jeunes demandeurs aux techniques de recherche d'emploi, afin d'être compétitif sur le marché du travail. Les compétences comportementales et la préparation de l'entretien d'embauche ont été les sous-thèmes développés par deux cadres de l'ACPE. Il existe cinq phases pour préparer un entretien d'embauche. Premièrement, il faut connaître son CV par cœur. Deuxièmement, la lettre de motivation. Troisièmement, connaître son entreprise. Pourquoi connaître l'entreprise? Parce que vous ne pouvez pas aller à un entretien si vous ne connaissez pas les missions, la vision de l'entreprise. Il faut faire des recherches sur l'entreprise, connaître le secteur d'activité de l'entreprise, parce que c'est très important. Une fois arrivé sur place, le recruteur peut vous demander qu'est-ce que nous faisons exactement dans cette entreprise. Et que si vous n'avez pas eu l'idée de faire des recherches sur cette entreprise, vous êtes sûr que cette entreprise pourra vous recruter ou pas. Voilà pourquoi nous demandons à tout demandeur d'emploi de pouvoir s'informer avant d'y aller à un entretien. Prenez le temps de connaître l'entreprise et sur votre recruteur. Si vous ne connaissez pas où se trouve l'entreprise, faites des recherches. Où se situe l'entreprise ? Quel secteur d'activité que l'entreprise exerce? Pendant la recherche de l'emploi, il ne faut pas que nous soyons fermés. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez déposé vos dossiers. Mais est-ce que si on vous propose un poste de planton, vous allez l'accepter? Certains d'entre nous diront, non, moi je suis ingénieur, moi j'ai fait des grandes études. Pourquoi je vais me rabaisser à faire un travail qui ne me valorise pas? Tout travail valorise, puisqu'il y a des gens qui arrivent à exercer ce travail, qui arrivent à nourrir leur famille. Donc, les comportements que nous devons avoir déjà, c'est la valorisation de soi, certes, mais il ne faut pas se surestimer, il ne faut pas aussi se sous-estimer. On a des comportements que nous devons afficher quand nous sommes ensemble, tels que l'écoute. Il faut apprendre à écouter. On nous dit toujours que nous avons deux oreilles et une bouche. Donc, les deux oreilles nous permettent d'écouter, de juger un peu ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais. Quand nous nous exprimons, nous devons savoir ce que nous sortons de nos bouches. Qu'est-ce que nous allons dire à la personne qui est en face de nous? Est-ce que les mots que nous allons sortir vont blesser la personne? Est-ce que les mots que nous allons sortir vont faire que les choses ne puissent pas avancer? Ça, c'est déjà un point que nous devrons mettre dans notre parcours de recherche d'emploi. Il faut savoir écouter, il faut nous informer, il faut qu'on ait le sens, on appelle ça l'empathie. De pouvoir se mettre à la place de l'autre. Est-ce que ce que je fais va à l'encontre de ce que l'autre veut? Les jeunes filles demandeurs d'emploi ont apprécié l'initiative qui leur a permis d'ajouter une plus-value dans leur démarche de recherche de travail. Quand elle a dit qu'il faut d'abord connaître l'entreprise, où elle se situe, dans quel secteur elle opère. Ça, je ne savais pas qu'il fallait connaître tout ça là sur une entreprise. Donc c'est aujourd'hui là que j'ai su qu'il faut connaître tout sur une entreprise avant d'aller postuler. Pour les CV, la dynamicité déjà, je pensais que j'en avais, mais j'ai compris que j'en avais pas. Grâce à cet atelier, j'ai compris
J'ai vraiment appris ces deux choses-là. Il faut être dynamique. En tout cas, il faut être dynamique. Et j'en avais déjà et on va multiplier l'effort pour l'emploi. On va être dynamique, ne pas croiser les bras. Célébré sous le thème général « L'accompagnement des demandeurs d'emploi », la journée de sensibilisation s'est déroulée en présence du directeur général de l'ACPE, Wilfried Bitti.